attendons. C'est parti. Salut à tous, on se retrouve pour un petit sujet top water. Moi, dès que les beaux jours arrivent et que l'eau passe, on va dire, les 15 degrés, j'aime commencer ma journée par une petite session l'heure de surface parce que bah, déjà, ça produit des super attaques. Et puis, quand l'eau se réchauffe, les poissons ont bien envie de monter. Donc, c'est les bonnes sensations. Je me suis monté un petit combo Magnum Hammer Luse avec un Protei et un Stick Bait pour lancer super loin. Ici, on est dans des eaux claires, donc la distance est importante. Donc, toutes les zones ouvertes, je vais les aborder avec mon Stick Bait en prospection rapide. Et après, quand on va rentrer vraiment dans les herbiers, en bonus, je me suis monté un petit combo Frog avec un bébé Impro, de la grosse 1365 livres en direct, une petite grenouille pour passer dans les herbiers, et une Custom Light Magnum Grass pour bien les impacter au ferrage. Donc allez, c'est parti. On va essayer de se prendre des belles attaques. Let's go. On attaque Stick Bait sur cette grande pointe plate bordée d'herbiers. J'ai choisi volontairement une zone du lac qui est un peu peuplée en brochet et en black bass, comme ça, ça multiplie les chances de prendre une attaque. Et surtout, une zone un peu abritée du vent, c'est le matin, ça chauffe plus vite ici, et puis moi je trouve que la pêche de Stick Bait est meilleure quand même quand l'eau est lisse. C'est parti! Une belle touche, oh, regarde ce bass! Magnifique, il a intercepté le sexy dog. Oh, il a intercepté le gros sexy dog juste à la sortie de la pointe. Boum. Oh, c'est pas le plus gros modèle, mais pour commencer la journée, c'est génial. Exactement ce qu'on est venu chercher. Une belle attaque franche. Un attentat, comme j'aime appeler ça. Le Striking Sexy Dog dans sa grande taille. Première pointe. Un super black bass d'Oriana. C'est pas un trophée, mais une super attaque. Allez, on le remet. Bon alors là, je suis toujours avec mon sexy dog, donc c'est un Stick Bait. Ce que je fais comme animation, hein, c'est la classique, un walking the dog. Donc je lui fais faire des mouvements de droite à gauche en lui, en lui mettant des petits coups de sion. Et j'essaye de ne pas être dans un rythme trop régulier en fait. Je lui donne beaucoup d'amplitude et je fais cloc, 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 en cassant le rythme régulièrement et en faisant des petites pauses. Et une petite astuce, c'est que je laisse ma ligne toujours un petit peu molle entre chaque animation. Comme ça, le leurre est très lâche dans l'eau. Et bon, pour les brochets, généralement, c'est des grosses attaques ultra violentes. Donc, ils se piquent un peu tout seuls. Par contre, les black bass, quand ils arrivent derrière le leurre, souvent, ils l'aspirent. Et si tu es trop tendu, ça occasionne des touches de mauvaise qualité. Alors que si le leurre est bien lâche dans l'eau, quand ils aspirent, pof, ça rentre dans la gueule et tu piques les poissons et tu les sors. Donc walking the dog, en cassant le rythme, est très très lâche dans les animations pour pouvoir concrétiser plus de touches. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is off and
nothing. One day at a time, taking this shit. One day at a time, came from behind. The underdog is far from done with everything I said I do. Head down and up my leverage. Learn my lesson, tight as circle. Oh, il est au bout de la gueule. Oh, il l'a pris vraiment comme un con. Ich. Oh là 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 là. Et il l'a attaqué, mais 5 fois, je savais plus quoi faire. Allez, te décroche pas, petit gars. Oh, il était derrière, il suivait. Paf. Il attaquait fort. Un coup, il essayait de l'aspirer. Oh là là. Yes, aïe. Le sexy dog a encore frappé. Encore un super fish, pas un monstre. Ah, oh, super. Ah ben voilà un coup du matin réussi. Deux beaux black bass au sexy dog. Et puis là, franchement, mais les sensations. Le poisson, j'ai jeté une fois, j'ai pris une attaque discrète. J'ai rattaqué le spot par un autre angle, une autre attaque discrète. Et après, en repassant, bah là, il est monté. Et il l'a suivi sur 10 mètres en mettant des petites attaques. Alors bah moi je savais pas trop quoi faire. Et à un moment sur une pause il l'a gobé. Oh yes. Allez hop, on va le remettre. One day at a time, taking this shit, one day at a time. You out of your mind, thinking that this is over. I've been at the crib going over time. I wrote a line and coincide. But anybody trying to go for mine was homeless, trying to cope with cousins, overdose and thoughts of suicide. Provoking guns in and out the home and doing things I'm proud of hope. Je vais essayer le salmo, je vais rater une stick. Tu les entends les billes? Ça fait vachement plus de bruit. Et bon, bah vu qu'il y a du vent, les leurres sont plus difficiles à trouver pour les poissons, donc je m'adapte. Et je fais plus de bruit, il y a plus de bruit ambiant. Donc moi je vais en rajouter un peu. En plus, ce leurre c'est un missile, il se lance à merveille. Pareil, bah dans le vent ça va super bien. Ah là, j'entends claquer les billes en bout de lancer. Ça, c'est bon, ça. Bon, bah, fin du poste. Je vais mettre un KVD jackbait. Et on va se mettre sur la structuras. Avec mon jerk pose là, un cendre. Ah ouais, un cendre. Oh, il est joli. Oh, magnifique. Encore une victime du KVD jerk. Ah, c'était un joli cendre cette fois, qui était posté sur une pointe d'herbier. Belle touche pendant la pause. Je suis sûr qu'il a des copains en plus, donc on va réessayer. Ah, qu'est-ce qu'il est joli ce cendre. Allez, on va le remettre. Je le remets direct. Ouais. Magnifique. Allez, on y retourne. Oh, il m'a pris juste là. Oh la magie. Oh là là, le jerk à la pose. Au pied du bateau, j'ai vu un grand éclair blanc. Et c'est le cendre qui me l'a chopé. Waouh. Magnifique. Oh, c'est encore un beau poisson. Mon fidèle KVD 300. Coloris perche. C'est très naturel, ça passe bien par grand soleil, j'adore ce coloris. Et puis, on est encore sur un super, super joli cendre. Allez hop, allô. Yes. Ouais, il y en a d'autres, hein.
pendu. Oh, elle était belle celle-là. Oh, pendant la pause, je me suis fait arracher. Qu'est-ce que c'est? Ah, au jerk ici, c'est toujours la surprise. Je pense que c'est encore un cendre. Ouais, c'est encore un cendre. Oh là là, c'est encore un joli. Allez, bon, il a la frite. Oh, faut balader le jerk et rentrer la tête la première dans sa gueule. C'est pour dire qu'ils ont faim. Ah, bah là, il est ressorti. Il avait le jerk au fond de la gueule et en fin de combat, il s'est secoué. Le jerk est ressorti. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces poissons. Et en plus, ils ont faim. Donc, bon, j'ai pas le temps de vous le montrer plus longtemps. J'y retourne. Yeah. Bon, bah là, qu'est-ce qui s'est passé? On faisait le coup du matin en l'heure de surface. Le soleil est monté très haut, le vent s'est levé, on a arrêté l'heure de surface. Je me suis dit, bon, on va mettre un coup de mon fidèle qui avait des 300 sur une petite pointe d'herbe, là. Et on est tombé sur les cendres. Donc là, bah, j'ai fait 4-5 lancers. À chaque fois, je me prends soit une touche, soit un poisson. J'en ai un qui m'a coffré au bateau. Donc, méthode habituelle, hein, j'envoie mon jerk, je le ramène un peu pour le faire descendre. Et après, jerk, jerk, pose, jerk, pose, jerk, pose. Et là, évidemment, comme d'habitude, les poissons attrapent pendant les pauses et je me prends des grosses, grosses cartouches. Fini les explications, on retourne à la pêche. Donc quand je jerk, hein, bah, je mets des petits à-coups, comme ça mon leurre se désaxe de droite à gauche, et des vraies pauses. J'ajuste, hein, tu peux faire des très très longues pauses quand l'eau est froide, et des pauses un peu plus courtes quand l'eau est chaude. Là on a une eau à 15, donc il y a des moments j'y vais bien, quoi. Et un truc que je fais, c'est que je regarde bien ma bannière quand même sur les pauses, parce que bah, vu que c'est là qu'il le tape, des fois tu la vois soit se détendre, soit partir un coup, et puis bah là tu sais que tu as une touche. Hein. Il y est. Oh, la petite touche sur la pose, discretos. Oula, ça monte, c'est quoi? Ah, un petit cendre. Il est moins gros que les autres. C'est la fin du banc. Oh là là, oui, c'est un petit maigrichon, lui. Et voilà. Encore un. Petite série sympa au jerk. Et là, comme quoi, faut être bien attentif pendant les pauses, parce que là, j'avais le fluoro bien détendu. Et puis j'ai eu un petit toc lointain. Bon, j'ai envoyé le ferrage. Et il était au bout. Pendu au crank, c'est mon premier lancer et c'est un cendre au square bill à gratter les seuils de pile de pont. Bon, bah, il me l'a bien encastré, hein. Regarde-le, le petit crank bien rangé dans la gueule du cendre. Super cool. Ouais, bah, premier coup de crank, hein, on va voir si ça se répète. Hop. Ah, on est passé là sur les piles de pont. C'est toujours sympa, moi j'aime bien pêcher les ponts. Je fais des trucs à viser. Et puis j'ai mis 2-3 coups de leurre de surface pour le fun. J'ai sorti la canne à crank, premier lancer, boum. Donc bah, je vais faire ça jusqu'au bout, on va voir ce que ça dit. Hein. Et je ramenais le petit square bill vraiment à pleine vitesse.
Alors là, je viens de changer de crank. J'avais fait mon cendre avec le 4S, qui est un square bill, crank à bavette carrée, qui descend à 1m50 de mètre. Et là, je suis passé avec le série 4 parce que j'avais pas vraiment contact avec le fond tout le long. Et au crank, c'est ça qui attrape du poisson. C'est de bien venir taper avec la bavette dans le fond. Il vient rebondir contre les obstacles. Et le fait de taper comme ça, c'est ça qui crée des attaques. Donc là, le but avec un crank qui descend plus, c'est d'avoir contact avec le fond pendant plus longtemps. Et donc d'être pêchant plus longtemps. Et potentiellement attraper plus de poissons. Ah là, ça gratte là. Ah, c'est bon. On est reparti. Et bon, faut pas avoir peur avec les crankbaits, hein. C'est vraiment fait pour. Bon, alors c'est sûr qu'une fois de temps en temps, il y a un morceau de bois où ça s'accroche. Mais là, vraiment, moi, je lance le plus loin possible et j'ai le crank qui tape dans le fond tout le long. Et ça s'accroche très très peu. Et c'est une pêche de vitesse, hein. Là, je bombarde, je ramène à fond, je tape dans le fond, et puis je tourne autour de mes piles de pont, j'essaye de changer d'axe, et puis j'insiste bien sur le fait que j'essaye d'avoir contact avec le fond le plus longtemps possible pendant mon lancer. Oh là là, j'ai un gros fish. Je sais pas ce que c'est. Oh, décroché. Oh la vache, c'était énorme. Oh le viol. Oh, ça devait être un énorme broc. Oh là là, ça m'a bloqué dans le fond. Je croyais que j'étais dans le fond. Et puis j'ai tiré dessus. Ah non, ça bouge. Et puis ça a bougé. Il a commencé à faire un rush et à peine rushé, pof, décro. Waouh. J'ai peut-être été un peu fort dessus, mais en même temps, je suis tout en fluoro. Oh, c'était énorme, ça. Bon, on a fini notre petit coup du matin. Quelques basses joueurs en top water, donc ça, c'était génial. Et puis, on a trouvé un petit banc de cendres, là, un peu agité sur une pointe d'herbier. Donc, on en a fait quelques-uns au jackbait. Il semblerait que ce soit l'heure de la siesta, hein, en Espagne. Le début d'après-midi, c'est dodo. À plus!